Salut Internet, c'est Kamoff, j'espère que vous allez bien. Plus le temps passe et plus je me demande comment ça se fait que certaines personnes n'ont toujours pas rajouté Trillionaire promo sur Snapchat. C'est un truc de fou, je comprends pas. Avec l'argent qu'ils peuvent vous faire gagner, je ne comprends pas comment à ce jour, pas tous mes abonnés l'ont rajouté sur Snap. Alors bien sûr, il y a beaucoup de mineurs dans les abonnés et je comprends que les mineurs ne peuvent pas jouer parce que c'est interdit. Mais les majeurs, qu'est-ce que vous attendez pour le rajouter? Qu'est-ce que vous attendez? J'ai gagné énormément d'argent avec lui et beaucoup de gens qui me suivent m'ont remercié de leur avoir présenté Trillionaire Chrono parce qu'ils ont gagné pas mal d'argent. Vous le savez maintenant, pour entrer en contact avec Trillionaire Chrono, vous avez plus qu'à le rajouter sur Snapchat. Il s'affiche en haut de l'écran, c'est gratuit et vous pourrez discuter avec lui si vous avez des questions ou autres pour gagner de l'argent avec des paris sportifs. Donc faites un effort, putain, rajoutez-le. Arrêtez, c'est gratuit, faites-le, rajoutez-le. Bon les amis, aujourd'hui je vais vous la faire courte. On est allé dans un quartier sensible à Marseille et on a fait semblant de voler un scooter devant des jeunes pour voir leur réaction. Regardez cette vidéo, vous verrez que les choses ne sont pas très bien passées au cours de cette expérience. On se retrouve à la fin pour une petite conclusion. Bon visionnage à tous et à tout à l'heure. Ciao. Donc voilà les amis, je suis avec toute l'équipe. On est dans un quartier assez sensible, mais comme c'est midi, tout le monde dort et ça craint pas trop qu'on soit là. Du coup, on va faire vite. Je vous présente l'équipe comme d'habitude. Il y a Bâtard, son Insta s'affiche sur sa gueule. Pourquoi? Parce que vous le savez. Je suis avec Eddy, qui est tout gêné là. Il est tout gêné, le frère. Il était strict. Eddy, son Insta il s'affiche aussi, vous pouvez le rajouter. C'est un beau gosse, il répond à tout le monde. Pareil, Soso le frangin qui est là depuis les débuts. Fait un zoo, la tête, le sang, pas de zoom comme ça. Tu fais des zooms de bâtard. Son Insta au frangin, il s'affiche ici aussi. Et on est avec le frangin Steven qui faut se tenir un maximum. Bref, donc on va faire vite, on va pas trop faire de bruit. On va prendre le scooter qui est derrière nous, qui est le scooter à Sofiane. On va le cacher dans un endroit où les jeunes sont censés se caler la journée. On va faire semblant tout simplement de voler le scooter devant ces jeunes et on verra leur réaction. Voilà. Soso va déposer le scooter. On va attendre quelques temps avant que les jeunes arrivent et on va voir. Allez, vas-y. Là, on reste à côté au cas où, on reste, tu vois, pas loin, histoire de regarder le scooter, que personne te le prenne au final, tu vois. Donc imagine, genre, on le laisse et d'un coup, les jeunes, ils... Il se passera ce qui se passera. On verra bien, mais bon. Dans un quartier, les gars, ne croyez pas que si vous laissez un scooter, ça va vous voler. C'est pas le problème. C'est qu'en fait, dans un quartier, il y a tellement de gens qu'en fait, tout le monde se respecte. Du coup, si c'est le scooter d'un cousin à quelqu'un qui est venu, voilà, ils vont pas le toucher. Voilà. Tu vois, faut arrêter de salir l'image des jeunes parce que c'est pas du tout ce qu'on vous montre à la télé. Voilà. Donc là, vu qu'il y a des jeunes, c'est bon, on va pas attendre plus longtemps, ils sont assez nombreux. Je vais aller prendre le scooter qui est juste à côté. Voilà, là le scooter, voilà, je vais aller le prendre, il est juste là. Je vais faire semblant de le prendre en poussette, le scooter. Et là, on va voir leur réaction. Les gars, s'il y a quoi que ce soit. Ouais, on est tendu, on est là. Donc restez là, si ça part un couille, ne bougez pas, ok? C'est bon. À part si c'est vraiment dangereux, d'accord? Hein? Comment ça que je fais? Il est à qui le scooter? Il est à mon collègue. Il est à toi le scooter, c'est à toi. Vous l'avez le scooter? Non, il est pas à moi, mais je crois que tu le prends. Il a pris une poubelle. Regarde, le scooter il était. Ben, je vais le poser, vas-y. Déjà, tu crois que tu prends des choses déjà? Mais il a personne le scooter, les gars, il était à la poubelle. Je savais pas que c'est le vôtre. Je vois le rien et je vois le dégain, frère, tu sais rien. Mais il était là, gros. C'est quoi? C'est à la poubelle ça? Posé le scooter, non? Il est posé, tu me vois pas là en face? C'est à vous le scooter? Ah, il est pas à nous le scooter, il est chez lui. Il est à vous ou il est pas à vous? Est-ce qu'il est à toi? La question c'est est-ce qu'il est à toi le scooter? Il est pas à moi. Mais attends, tu le touches pas le scooter, il est chez nous. S'il est chez nous, il est à nous. Si il est à toi maintenant, tu as une carte grise, tu as les clés, tu montres qu'il est à toi, tu prends le scooter. Mais est-ce que toi tu as la carte grise et les clés? Non, attends, moi je t'explique. Moi ici c'est. Ah, je vais ramener ma voiture, on va te mettre dans le coffre. Ouais, voilà. Ah, mais je t'ai écrit où? Dans Gomorra, frérot? C'est pas mon quartier, je suis d'accord. Par contre, c'est pas une propriété privée, t'es n'importe qui peut rentrer. Ouais. Je suis pas chez toi en train de prendre quelque chose de chez toi. C'est chez moi. Indirectement, ouais. Là, c'est chez moi. C'est chez nous. Là, tu prends les mots, ça, c'est notre quartier. Il est dans un local à poubelle, les gars. Il est devant le local à poubelle, il est pas là-bas, le scooter, il est pas jeté. Et pourquoi il est pas? Pourquoi il est là? Parce qu'il y a pas de piqui. Parce que voilà, il y a le.
mon scooter il est calé même. On s'en prend, on cherche à débattre. Ouais. Tu as un tort. Oui, bah c'est bon, je me taille. Tu te tailles, reste là. Reste là, tu viens, tu vois le scooter chez nous, tu vas tailler comme ça. J'ai rien volé. Les gars, je peux juste partir. Moi, en fait, j'ai pas voulu voler. J'ai pas voulu me manquer de respect. Je croyais qu'il était à la poubelle et j'ai voulu le prendre. Tu as compris, moi j'ai pas trop de sous et tout. Je voulais prendre le scooter pour me défaucher, tu vois. Voilà, c'est tout, on est tous dans la même galère, non? Y'a pas de chemin pour moi. Viens, tu vois du cercle, quoi, nous on va te laisser, tu vas tailler, tu vas toujours changer avec toi, c'est des dégâts. On vient, on vole chez non, eux. Non, c'est un malentendu, parce que t'inquiète, ça arrive, tu vas voir dans deux secondes. Je vais te raconter des tonnes, tu verras. Viens, j'ai rien fait de mal. T'as voulu voler, c'est pas rien faire de mal. Comment on est gros, tu vas pas faire monter un s'il te plaît. T'inquiète, on va pas loin. Non, t'inquiète. T'as voulu venir, tu vois ce quoi, tu t'inquiète. Tu vois pas, tu comptes pas ici. Y'a pas, tu viens, tu te mets un complet, ça on fait rien. T'as dit quoi, Fais quoi les gars, vas-y, on va aller ici. On prend la voiture. Je monte avec moi. Si tu prends le scooter, on est plein. Tu prends le scooter. Non, là. Je suis là. Eh gros. Ouais, c'est bordel là. Faut pas le choix, faut suivre. Elle est où la clé? Faudrait qu'on la suive. Elle est en bas. Elle est là. Parce que frérot, j'ai pas de. Non, j'ai pas de sous. J'ai pas la figure qu'il a. J'ai pas de sous, frérot. J'ai vu le scooter. Il était à côté d'un local, le scooter. À la poubelle. Il m'a changé les fois. Et là, tu me parles de j'ai pas de sous. On va dire n'importe quoi. Le fofo, il doit être plein à la maison. Tu viens, tu voles des spirites, mon frère. Là, dans un quartier en plus, j'ai un clochard. J'ai un dégain du scooter en plus. Ah, vous m'emmenez où là? Dans un parc. Ça s'arrête. Main. Sors! Attends, sors! Allez, sortez de la voiture. Allez, sortez. Pourquoi vous nous filmez là? Je t'explique, on fait des vidéos sur internet en fait. C'était notre scooter, le scooter que tu as vu, tu le vois? Mais regarde, ça c'est notre scooter, tu as dit c'était votre scooter, c'est pas vrai. C'est le... Avant qu'on vous lève, parce que là on peut vous lever. Mets toi sur le téco. Ben regarde. Essaye là, prenez la voiture, installe. Allez. On va pas lui voler. On va lui emprunter les gars. Prends son numéro. Ah, vous avez crissé des dévoyous, vous prenez des gens comme ça pour le scooter. Non, y'a pas d'excuses, c'est bon les gars. Maintenant, excusez-moi. C'est bon les gars, voilà, pardon les gars. Ce qu'on va faire, bâtard, tu as pris son numéro? Ouais, j'ai pris son numéro, c'est bon. Ce qu'on fait, je prends ta voiture, dans une heure, je t'envoie une adresse, ta voiture elle sera à cette adresse, d'accord? Comme ça, c'est bon? Comme ça, ça t'apprendra ce que c'est de prendre les gens comme ça, comme tu as fait, parce que ça se fait pas ça. Bon, les gars, ravisez la voiture, tranquille, y'a plus de soucis. Pas de voiture, tu vas marcher à pied un petit peu. Vas-y, laisse-moi la voiture. Non, je te laisse pas la voiture. Saut, vas-y, avance, saut. Avance, frérot, avance. Avance. Les amis, on s'est mis dans un endroit qui est assez loin, on va dire 3-4 km de là où il y avait les jeunes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on a pris la voiture, on ne leur a pas volé, c'est juste un emprunt. Comme ils m'ont emprunté à moi, nous on leur a emprunté la voiture. On a eu une petite idée. On est gentil. Vu qu'il a le siège complètement éclaté, ça devrait être interdit de conduire comme ça. C'est interdit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui lever le siège pour qu'il puisse le remplacer après. On va lui faciliter la tâche. On va l'appeler, lui dire où est sa voiture. Bâtard a pris le numéro du mec. Je me demande comment ils vont faire pour partir. Voilà. C'est un emprunt, on aurait pu voler la voiture. On n'est pas comme ça, juste ils ont voulu m'emprunter, nous on leur emprunte le ciel. Bon, on vient d'y enlever le premier boulon. On galère mais on va y arriver. Bon les gars, on va juste. Oh, c'est pourri, frère. Sors-le. On a démonté le siège, on est monté sur la colline. Le siège est ici. Ils repartiront pas avec la voiture, c'est impossible. Maintenant, bâtard, c'est ton numéro. Envoie-lui la position. On lui envoie la position. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre qu'ils arrivent. Je pense que d'ici une demi-heure, ils seront là. À part s'ils sont emmenés en voiture. Mais s'ils viennent à pied, dans une demi-heure, ils sont là. Il y a une voiture, elle est avec eux, non? C'est pas avec eux, la voiture, non, je ne sais pas. La série.
C'est quoi le petit manque de lui? Comment je vais faire pour conduire maintenant, mec? Il peut pas conduire comme ça. Non, il peut pas. C'est la trip délire, son collègue. Mais son collègue, il va mettre le volet, tu vois. Quelle toilette? Il voit même pas de là. Ils sont où? Non, on voit pas. Il voit quand même. Mais quelle toilette? De toute façon, c'est des crasseux. Ouais, même le sèche, c'était pourri le sèche. Prenez toi, chat. Son mari, prenez toi, casse. Mais non, il a mis la caméra. Casse. On voit pas la caméra, je vois pas. Vous voyez, vous voyez. Maman. Il pourra faire caca en même temps qu'on Dieu. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Il voit tout option. Il va mettre les toilettes à la place, je crois. Non, frère. C'est un vrai que c'était niqué tout à l'heure. Mais sinon, on a été con. On le voit. Casse-toi. Il est sérieux en plus, il est sérieux. Voilà, il galère, il a raison de pas rentrer. Il a mis un gros. J'ai vu ça, il a mis une shot à la place, je sais. Vous avez vu, il a bien réglé, Galère, hein. Ouais, son collègue, le son collègue qui prend le relais. Non, son collègue. Il a mis la shot. Mais non. Il s'est calé la cuvette dans les toilettes. Son collègue, il est comme ça. Regarde, il a fait quoi? Voilà, voiture, elle a le calme. Il l'a calé. Bon, les gars, comme vous pouvez le voir, ils sont partis. Le siège est encore là, donc c'est pas. Ils sont vraiment partis avec une toilette. J'ai jamais vu ça de ma vie. Donc là, je suis content de cette vidéo. Voilà. J'espère que vous rajouterez les frérots sur Instagram. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et nous, on se retrouve à la fin, comme d'habitude, pour une petite conclusion. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Voilà. Et on aurait pu être plus méchant que ça. Et voilà, les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, ne reproduisez pas ça pour faire des vidéos ou ne faites pas comme nous. Nous, on a toujours une équipe derrière. Et franchement, ça peut être dangereux de vous aventurer dans des endroits que vous ne connaissez pas tout seul. Donc, comme vous avez pu l'apercevoir, la fin est assez drôle, hein. Ils savaient plus comment repartir. Du coup, ils ont trouvé une toilette qui était à côté. Je sais pas d'où il sort ce shot d'ailleurs. Ils l'ont pris et ils sont partis avec le toilette en guise de siège pour la voiture. Et j'ai envie de dire, bien fait pour eux. Si vous voulez porter notre marque de vêtements et si nos vêtements vous plaisent, n'hésitez pas à vous rendre sur le site www.futuratech.com. Il y a des vêtements pour enfants, pour femmes. Je vais pas à chaque fois vous redire, ça m'énerve. En plus, j'ai mal à la tête. Il est bientôt 8h du matin, j'ai pas dormi. Donc si vous voulez acheter nos vêtements, rendez-vous sur ce site et me cassez pas les... En attendant, c'est l'heure pour moi de vous laisser. Rendez-vous mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo, une toute nouvelle expérience sociale, selon mon envie, selon mon humeur. On verra comment ça se passe, mais j'espère que vous serez au rendez-vous. Et n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour nous donner votre avis. En attendant, c'était Kamoff. Merci de nous avoir suivis. Merci de vous abonner à la chaîne, d'être de plus en plus nombreux. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao !